السلام عليكم ورحمة الله الإخوان الطلبة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد واللي غادي نشوفو فيه لو كور ديال لي فيرتيبري. في البداية إذا كانت أول مرة هادي كتزور هذه القناة، متنساش تشترك وتفعل لا كلوش ديال النوتيفيكاسيون باش يوصلك كل جديد. دونك غنبداو على بركة الله. Donc, chez les embryons, les vertébrés, donc le cœur est formé de quatre chambres alignées. Il s'agit d'un cœur qui est rectiligne. Donc, premièrement, on a ce qu'on appelle le sinus veineux, suivi par l'atrium. Et la troisième composante du cœur des embryons des vertébrés, c'est le ventricule et le bulbe cardiaque. Donc, Naya. On aura le passage du sang, premièrement de sinus veineux, et par la suite vers l'atrium, et se passe par la suite vers le ventricule, et ensuite vers le bulbe cardiaque, à l'aorte ventrale. Donc voilà. Et par l'aorte ventrale, il se passe vers les branchies. Donc, Naya, le cœur, il est traversé par un seul type de sang, c'est le sang carbonaté. Le kéjina, Naya, les organes, les autres organes de l'embryon. Il est riche en dioxyde de carbone. Il se passe par la suite vers les branchies pour être se réoxygéné par à nouveau. Concernant le cœur chez les poissons chondrichtiens ou bien les poissons cartilagineux, on aura ici que le cœur est en forme de S. Voilà le sinus veineux, l'atrium, le ventricule, le bulbe cardiaque et l'aorte. Donc on aura parmi les propriétés de ces poissons cartilagineux qu'on voit le développement du bulbe cardiaque ici. Et la même chose, le sang qui est riche en dioxyde de carbone, il se passe des organes vers le sinus veineux et par la suite vers l'atrium. Il se passe vers le ventricule et se passe par la suite vers le bulbe cardiaque. Puis il passe vers les branchies pour être réoxygéné à nouveau. Donc, Naya, la même chose, le cœur est traversé par un seul type de sang, c'est le sang qui est riche en dioxyde de carbone. Chez un autre classe, ou bien un autre. Chez les poissons ostioctiens, ou bien les poissons qui sont caractérisés par l'existence des os. Donc le cœur il est en forme S, la même chose ici, voilà. Et on remarque le développement du bulbe artériel et la réduction du bulbe cardiaque. Vous voyez ici, on remarque une atrophie ou bien une régression de bulbe cardiaque, alors que le bulbe artériel il se développe de temps en temps. Donc Naya. Parmi les propriétés de ce type de circulation sanguine chez les poissons osseux, c'est que le cœur est traversé par un seul type de sang, c'est le sang carbonaté. Donc on va voir maintenant la respiration bronchiale. C'est une simple circulation. Donc on a le sang qui se passe des organes vers le cœur. Et par la suite vers les branchies pour être réoxygéné à nouveau et se passe par la suite vers les organes pour alimenter les cellules de tout l'organisme en dioxygène. Donc le cœur est traversé par un seul type de sang, c'est le sang carbonaté. Alors que chez les amphibiens, on aura d'autres particularités, c'est qu'on aura un cloisonnement de l'atrium et formation de deux oreillettes. Donc,
On aura ici la formation de deux oreillettes, l'oreillette gauche et l'oreillette droite, à partir de du développement de, ou bien du cloisement de l'atrium. Donc le cœur est traversé par deux types de sang chez les amphibiens. Donc on aura le sang carbonaté, qui est riche en carbone, et le sang oxygéné. Et on aura une autre particularité, c'est que au niveau du ventricule, on aura le mélange des deux types de sang au niveau du ventricule. Alors que chez les amniotes, comme vous voyez ici, la forme ou bien la structure du cœur chez l'homme, chez le poule, bien. Donc une petite remarque, c'est que on aura le cloisonnement du ventricule, ce qui induit la formation du ventricule gauche et le ventricule droite. Donc le cœur est traversé par les deux types du sang, le sang carbonaté et le sang qui est riche en oxygène. Donc le sang carbonaté est séparé du sang oxygéné cette fois, par contre aux amphibiens, où on aura le mélange des deux types du sang au niveau du ventricule. Et chez les amniotes, on aura deux ventricules après le cloisonnement d'un seul ventricule, en ventricule gauche et droite. Donc, les deux types de sang ne sont jamais mélangés au niveau du ventricule chez les amniotes. Donc, on va voir maintenant la double respiration, ou bien on va voir maintenant la respiration pulmonaire. Et la double circulation. Donc le sang arrive au cœur à partir des organes. Et par la suite, il traverse les artères pulmonaires. Même si le sang est riche en dioxyde de carbone, il se passe du cœur vers le poumon par l'artère pulmonaire. Et lorsque le sang il est réoxygéné au niveau du poumon, il arrive ou bien il se passe par la suite vers le cœur via les veines pulmonaires, même si il se passe au niveau des veines, mais il est riche en oxygène. Et ce qu'on appelle la petite circulation ou bien la circulation pulmonaire. Donc le sang est riche en oxygène et se passe au ventricule gauche. Et par la suite à l'oreillette gauche. Donc on aura la grande circulation ou bien la circulation générale. Elle est dite aussi systémique. C'est la circulation d'où on aura l'alimentation de toutes les cellules de l'organisme par un sang qui est riche en oxygène. Donc le cœur cette fois il est traversé par deux types de sang, le sang qui est carbonaté et le sang qui est oxygéné. Et j'espère qu'on a vu assez d'informations concernant ce type de